Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une recette de pain traditionnel à base de farine, de sel, de levure de boulanger et d'eau. La pâte, elle est lisse. Nous allons la débarrasser. Pour cela, on va d'abord fleurer la planche pour pas que la pâte adhère. On prend légèrement de la farine, on débarrasse la pâte. Donc vous voyez, c'est une pâte qui est quand même assez homogène, collante et bien lisse. Après 1h30 de pointage, nous allons travailler la pâte. Nous allons d'abord peser, ensuite bouler. On va faire détendre pendant 20 minutes au frigo et après nous allons faire des petites boules de 50 g pour faire des petits pains bagna, pour faire des petits sandwichs et puis on va faire une baguette à 250 g. Les 20 minutes au frigo sont passées, donc la pâte s'est bien relâchée et nous allons les façonner. Pendant que le pain est en pousse, nous faisons préchauffer notre four à 210 degrés. Là, nous allons lamer le pain. Pour lamer, il faut bien partir d'un côté à l'autre en suivant la forme du pain.